Bonjour, je m'appelle Kevin Gallo, je suis écrivain depuis quelques années. Je suis actuellement à mon troisième ouvrage, c'est un roman de fantasy qui s'appelle Le secret de Kin. L'intrigue se déroule dans plusieurs pays du globe qui ont changé de nom, qui ont changé de système. Et notamment, la magie est quasiment omniprésente, c'est même un des fondements de la politique des monarchies, des républiques, des conseils dans l'univers que j'ai créé. Le début de l'intrigue se passe donc avec Kin, qui est un vieil ermite qui vit dans une forêt. On se rend compte qu'il essaye d'échapper à quelque chose, hein, et ça fait des décennies qu'il se cache dans cette forêt. On ne sait pas ce qu'il fuit, mais pour subsister, il utilise on ne sait pas trop quoi. Les gens des environs se plaignent d'une épidémie de larcin assez inexplicable. Il y a des gens qui suspectent donc ce vieil ermite, ce vieux Kin, mais ils ne savent pas trop comment parce que l'homme ne sort jamais de sa forêt. J'ai eu le plaisir d'avoir été nommé lauréat de la résidence d'écriture du Château Hagen en 2022. Cette expérience m'a vraiment permis de me consacrer à cet ouvrage et de le rendre le meilleur possible. Et j'ai travaillé avec Luc des éditions Humanis, qui m'a permis de l'améliorer autant sur le fond que sur la forme, le style. Ça ne me fait pas peur de mélanger les genres, au contraire, mélanger des concepts de fantasy avec des idées de science-fiction. Je trouve qu'au contraire, c'est une manière de rendre vraiment un univers original, intrigant et de surprendre le lecteur. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est surprendre le lecteur. J'adore aussi les cliffhangers, hein, évidemment, les retournements de situation. Et c'est quelque chose que vous retrouverez dans le livre.